Je vais chanter la dernière chanson. Mais avant de chanter ça, vous allez être surpris que je vais aussi donner un témoignage de Papa Clotin. Vous allez vous dire, maman, mais lui, il est connu, est-ce qu'il est connu? Comment il va témoigner? Vous savez, il y a des époux qui meurent et sa femme pousse un ouf de soulagement. Ça arrive. Il y a des époux qui meurent et la femme pousse un ouf de soulagement. Mais quand un époux meurt et que son épouse nous réunit comme ça une année après, pour lui rendre hommage, cela veut dire que nous avons laissé une trace sur les sables du temps. Et ce soir, si nous pouvons aussi, par la grâce de Dieu, arriver à ce niveau avec Dieu, où si on quittait ce monde, on peut avoir aussi un moment comme ça. Parce que quand les ivrognes meurent, les ivrognes se rassemblent pour boire. Quand un ivrogne meurt, beaucoup d'autres ivrognes se rassemblent pour boire. Quand une prostituée meurt, beaucoup d'autres se rassemblent pour faire leur travail. Mais quand on peut se rassembler pour glorifier Dieu, c'est parce qu'il y avait une vie qui reflétait le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien ce soir? D'une manière ou d'une autre. Je voudrais que nous puissions nous séparer sur la note de l'adoration. Si tu veux prier, tu peux prier. Si tu as quelque chose que tu veux dire à Dieu, tu peux lui dire. Considère qu'il n'y a que toi et Dieu dans cette salle. Pendant que nous allons chanter ce cantique, qui est vraiment l'expression profonde de mon cœur. Yeah.
Thank you.
considère que Dieu t'a pardonné. Et qu'il n'y a rien qui se tient entre Dieu et toi. Si quelque chose qui semble être une barrière, tu peux confesser à Dieu. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te révéler la joie du salut. Le Père plein d'amour qui te prend dans ses bras pour te dire fils, je t'aime. Ce soir Dieu te dit je t'aime. Ce soir Dieu te dit tu es à moi. Ce soir Dieu te dit je veux vivre par toi. Pour la prière finale, nous allons juste lever les mains.